Ils ont décidé d'envahir la rue. Ils, ce sont les militants de différents partis politiques. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, SID de Martin Fayoul de l'opposition, PPRD de Joseph Kabila et même la société civile. Un seul message, le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans une marche pacifique, au cours de laquelle les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont pris part, le message était celui d'encourager les militaires de la République démocratique du Congo. Cette marche qui a commencé au rond-point Forescom où est érigé un monument à l'honneur des militaires de la RDC jusqu'au palais de la nation avec une foule immense des femmes du parti présidentiel était pour porter les encouragements aux soldats de la République démocratique du Congo qui sont au front contre les M23 soutenus par le Rwanda. Nous, membres de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS, exprimons notre soutien au FARDC et à l'état de siège dont la prochaine prorogation prendra cours le samedi 4 juin 2022. Nous tenons à saluer la mobilisation et l'unité des Congolaises et Congolais autour de nos forces loyalistes et du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lors de la 55e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 24 mai 2022, a rappelé son engagement plusieurs fois exprimé de ramener la paix et la sécurité à l'est du pays en faisant de ces dernières une priorité absolue de sa gouvernance. Par ailleurs, nous félicitons nos compatriotes victimes des dernières attaques des terroristes du M23 pour leur résilience et la maîtrise de deux éléments de ce groupe armé qui doivent passer par une audience foraine. Nous remercions la communauté internationale pour avoir condamné fermement l'attaque du M23 contre les positions de la MONUSCO et de FARDC, et c'est à l'occasion du dernier Conseil de sécurité. Cependant, la Ligue des femmes de l'UDPS regrette du fait que ce mouvement terroriste appuyé par le Rwanda est entré en œuvre dans le cadre du projet séparatiste exprimé clairement au cours du mois de mai de l'année en cours dans les assises organisées par certains politiciens sans avenir électoral et leurs sous-traitants ayant des nationalités douteuses. Les résolutions de ces assises et les récentes attaques du M23 sont venus tout simplement confirmer le propos de Laurent Kunda tenu sur les ondes de la radio Bouiza FM au 2 janvier 2008. L'histoire nous oblige de rappeler à la mémoire collective des crimes, des guerres, des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de forces commis à grande échelle par cette force rwandaise en 2012, après leur mécontentement dans le partage de postes au sein de la majorité présidentielle créée par le régime passé en 2010. Après s'être rassuré du dépôt des mémos à la présidence de la République démocratique du Congo, les femmes du parti au pouvoir se sont dites déterminées jusqu'au dernier retranchement des forces négatives qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo.